On va commencer par plus simple, décliner votre identité réelle. Bon, je vais d'abord répondre à la première question. Sans décliner ton identité. Mon identité n'est pas très importante. Il y a ce qui est ma pensée masquée. Bon, alors, je vais répondre très rapidement. J'avais déjà apporté une solution à cette question. Qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour réimplémenter, d'abord s'approprier sa tradition, la réimplémenter et la pratiquer réellement? La première étape, c'est celle que nous sommes en train de faire, d'accomplir la conscientisation. Mais est-ce que vous pouvez travailler avec un peuple inconscient? Puisque nos premiers ennemis, c'est nos propres frères qui sont francs-maçons, rosicruciens, chrétiens et autres, qui seront les premiers ennemis, c'est-à-dire d'arrache-pied, ceux qui vont même aller nous trahir ou l'éliminer. Donc, il faut d'abord travailler dans ce sens, la conscientisation. Deuxième point, comme on ne peut pas nous éterniser dans la conscientisation, il faut appeler les uns et les autres, ceux qui sont déjà intéressés, qu'ils soient deux ou trois ou quatre qui sont déjà intéressés, à commencer à se cultiver dans ce sens, en acceptant d'écouter les enseignements concernant sa propre histoire, en acceptant, à un certain moment, au moment convenu, de traverser les rites initiatiques africains afin de découvrir l'Afrique profonde. Et maintenant, nous lançons aussi l'appel, puisque le pouvoir ne nous appartient pas. Le pouvoir appartient aux décideurs. Donc, aussi, même si nous passons du temps à conscientiser les gens, tant qu'il n'y a pas une volonté politique à accomplir les demandes du peuple, il y aura toujours cette sorte de statu quo. Je reconnais tout de même qu'il y a certains qui ont déjà pris l'initiative. Et moi-même, je suis sur le même chemin, notamment Maître Moubita, le professeur Mbondi et Djengele, et Werewere Viking à Côte d'Ivoire, qui ont créé des temples traditionnels pour la formation des Africains. Et nous autres, nous sommes mis sur le chemin du décryptage des textes sacrés africains, parce que tout le monde ne peut pas les lire et les comprendre. Donc il faut se rapprocher des personnes qui ont mené des études approfondies et qui sont proches des gardiens de la tradition pour faire comprendre ces textes. Nous sommes sur ce chemin-là. J'ai déjà commencé ce travail depuis un mois et demi avec ceux qui sont avec moi. Donc, troisième point, on lance l'appel à l'État d'organiser les chefferies traditionnelles telles qu'elles étaient. Parce que une chefferie traditionnelle bien organisée, vous constatez aujourd'hui que parmi les chefs, il y a les francs-maçons. Mais quand un chef est franc-maçon, il est déconnecté de son peuple. Donc, il se fiche pas mal de ce que son peuple pense. Il faut donc que les chefs rentrent dans les grégores réels, authentiques, africains. Et que, grâce à ce replongement, les communautés, la sorcellerie négative cessent de prospérer. Parce que quand le chef est vraiment connecté à son égrégore, il ne peut pas se foutre de son peuple. Les chefs qui se foutent de leur peuple favorisent l'éclosion de la sorcellerie négative. Et c'est pour ça que les jeunes filles aujourd'hui. Donc quand le chef vient dans sa vraie tradition, il va faire son travail et il ne va pas jouer les coureurs de jupons vis-à-vis des politiques. Nous avons l'exemple de ces chefs, notamment à l'ouest, Sokou, je le célèbre Sokou Djou, qui est un chef apolitique. Ce sont ces exemples que nous voulons. Et enfin, que l'élite politique, avec le soutien des personnes ayant des consciences éveillées, que nous apportions chacun notre contribution pour bâtir des temples sacrés africains officiels, comme la cathédrale est là. C'est-à-dire que tout le monde peut venir là, il y a les gardiens de la tradition qui sont là pour officier. Mais avant ça, il faut qu'on se réorganise. J'ai fait cette proposition ici. Que vous compreniez, se réorganise sur un modèle basé sur des textes et des rituels bien coordonnés, bien harmonisés. Et l'harmonisation de tous les cercles et confréries traditionnelles d'Afrique noire, notamment chez les gens de Grasse-Ville, les gens des forêts, les Bétis, Bambétis, les Sawa, que ce ne soit plus les Bétis, le groupement, et passe
travaillons en synergie pour donc reconstituer cette énergie forte qui va dynamiser notre bon Dieu. Les feuilles séchées au gaz ne perdent-elles pas leur pouvoir mystico-symbolique? Bien, merci. C'est vrai que peut-être que les autres questions doivent suivre encore, puisqu'il y a eu d'autres questions. Très bien. Alors, madame, vous avez parlé de technique venue d'ailleurs. Le gaz ne vient pas aussi. Parce que de deux, un ventilateur, c'est quoi? C'est mettre, fabriquer quelques hélices et faire tourner, c'est tout. Ça, c'est pas occidental, ça. Ça, c'est plus évident. Le vent fait ça. Le vent fait ça. Et c'est pour ça que j'adhère à ce que vous dites en posant la question, est-ce que ça ne va pas dénaturer les valeurs, je veux dire, les principes actifs contenus dans ces feuilles séchées de cette manière-là? Oui, ça peut dénaturer. C'est pour cela que l'essentiel de nos échanges, on les fait avec le soleil. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de soleil. Je me souviens, la dernière tournée que je viens de faire en Europe, le notable, la chefferie qui est là, qui a eu la chance d'assister à une des conférences à Paris, il a bien vu que les mangues séchées que nous avons fait déguster là-bas et tout, c'était les mangues séchées aussi, à partir du soleil. Donc, en fait, ce que nous voulons vous dire, c'est que tout à l'heure, Top disait, ne rejetez pas tout. On ne rejette pas tout. Et pourquoi on ne doit pas rejeter tout? Parce que tout est parti d'Afrique. Quel que soit ce que vous allez trouver en Occident, tout ça, c'est parti d'ici. Réappropriez-vous ces choses que vous avez en main. Pourquoi continuer de penser que, par exemple, les avions, hein? Aujourd'hui, dans les tests des pyramides et tout, on constate qu'il y avait effectivement déjà des avions dans le passé. Mais oui, c'est là dans les peintures rupestres, c'est dans les gravures, c'est dans les écritures hiéroglyphiques et tout ça. Ça veut dire en fait que soyez fiers de vous. Quand un occidental vous dit oui, c'est grâce aux avions de l'Occident que vous pouvez, dites-lui non. Les archétypes de ces avions, c'est nous qui les avons pensés. Il faut le leur dire, surtout qu'il y a des preuves matérielles actuellement avec la fouille de la tombe des différents pharaons où on retrouve toutes ces choses, sans oublier les différentes pyramides de Khéops, de Gizeh et tout ça. Donc, s'il vous plaît, et c'est là, si le modérateur le permet, c'est là où je vais faire une digression tout de suite, en retrouvant la question du notable tout à l'heure, qui évoquait, mais qu'est-ce la peur? Qu'est-ce qui est le principal facteur qui inhibe toutes les possibilités de l'éclosion des potentialités africaines? Mais les Africains, à l'heure actuelle, ont été tellement tétanisés qu'ils ont peur de l'inconnu. Vous avez peur de l'inconnu. On vous a dit que, attention aux noms et sorciers, comme vous ne connaissez pas, c'est fini. Vous êtes déjà braqué. Surtout lorsque le pasteur s'amène et vient arracher ça pour aller jeter ça en prononçant son totem qu'on appelle Jésus. Alors, donc, je voudrais vous dire encore une fois, mais vous craignez, quand vous craignez, vous avez peur de l'inconnu, cela veut dire que vous avez peur de Dieu. C'est Dieu qui est l'inconnu. Pourquoi vous craignez l'inconnu? Pourquoi voulez-vous connaître? Pourquoi voulez-vous savoir? Mais c'est parce que vous êtes conscient que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas. C'est pour cela que vous allez vers l'acquisition des connaissances. Or, qui libère, qui donne ces connaissances? Mais c'est la divinité. Donc si vous craignez l'inconnu, vous avez peur de l'inconnu, donc vous avez peur de Dieu et vous ne pouvez rien. Et c'est cette peur que nous avons réussi à détruire en nous. C'est cela qui permet aujourd'hui d'aller partout dans le monde, d'apporter désormais l'assurance que les Africains, ce n'est plus seulement des énoncés,
vous appelez ça quoi, toi, c'est vous qui avez toutes ces choses à l'école. Ce n'est plus des slogans, mais c'est une réalité, on la porte. C'est pour cela que la dernière fois, par exemple, quand les francs-maçons et les égyptiens gesticulaient pour dire comment, machin et tout ça, je leur ai dit, vous ne pouvez plus, c'est terminé, puisque à l'heure actuelle, je peux aller en Europe quand je veux, même sans avion. Ça veut dire quoi concrètement? Quand vous arrivez à ce stade, plus personne ne peut vous refuser le visa. J'en parle de manière ouverte. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Personne, vous ne pouvez pas. Quand j'arrive, même en voulant dire non pour me donner le visa, vous dites vous faites des attentats, au contraire. Il faut que vous sachiez, parce que le groupe, on a parlé d'opérationnalisation des amis. Parce que sinon, ça va toujours rester livresque, théorique et tout cela. Maintenant, on est dans la phase d'opérationnalisation de ces choses. Parce que sinon, vous n'allez pas nous suivre. Vous avez besoin d'avoir des preuves. Et nous allons les donner en cascade. Parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons même pas voulu. À l'époque, on a travaillé. Savez-vous que cette école des mystères, dont je suis le fondateur, elle existe depuis près de 30 ans. Mais ce n'est que maintenant que nous en parlons. Nous ne sommes pas pareils, les amis. On ne va pas en guerre sans se préparer. Et nous l'avons fait pendant 30 ans, je vous dis encore une fois, 30 ans. Ça veut dire, à l'heure actuelle, attention aux moustiques qui se placent en route. Je parle des moustiques. Parce que c'est l'ange de la mort. Oui, vous devez le savoir. C'est pour cela que la malaria est en train de détruire l'Afrique. Parce que les ennemis de l'Afrique utilisent les moustiques. Ah ça, je n'en parlerai pas pour vous ce soir, on aura l'occasion. Mais il faut savoir que nous avons le droit maintenant, le devoir de rendre notre corps, de faire en sorte que nos anticorps, que nous puissions éveiller tout ce qui nous permet d'être en une santé parfaite. Parce qu'un homme qui n'est pas en bonne santé ne peut pas déployer l'énergie spirituelle suffisamment. Ce n'est pas possible. Donc l'enjeu est de taille. Et c'est pour ça que nous sommes très contents que les jeunes... comme elle s'intéresse désormais à la qualité de la vie. Parce que votre intervention prouve que vous vous intéressez à la qualité de la vie, donc à l'écologie, donc à tout ce qui est naturel, donc au retour à l'Afrique profonde. Parce qu'elle était naturelle, le dire aux Osiris, c'est ça qu'il a enseigné. Donc je voudrais dire aux amis, tout en étant toujours avec l'accord du modérateur, je vais chuter. Vous allez poser la question. Qui représente donc, si vous voulez, cette terre dans laquelle va pénétrer cette terre, c'est l'homme. Voilà le savoir. Je vous ai dit tous les savoirs. Dans la spiritualité, la terre veut dire l'homme. Est-ce que vous m'avez entendu? Partout où vous lirez, dans les livres sacrés, terre, ça veut dire l'homme. Si vous voulez, la personne est vivante. Comment on dit la terre en balinéité, par exemple? C'est ainsi. Ainsi. On dit, comment on dit Dieu? Si. Je ne dis rien.